Salut, on va s'entraîner dans cette vidéo à lire un petit peu l'heure sur des cadrans analogiques. Ça, c'est une horloge analogique. Donc la première chose à faire pour regarder l'heure, c'est de regarder la petite aiguille. La petite aiguille, ici, elle nous indique l'heure et la grande aiguille nous indiquera les minutes. Je rappelle que le sens des aiguilles d'une montre, c'est celui que je viens de dessiner avec la flèche. D'ailleurs, on peut le remarquer également aussi avec les chiffres qui sont indiqués et qui tournent, qui augmentent dans ce sens-là. Donc la petite aiguille ici, elle indique 7 heures. Hein. Elle est exactement en face du 7. Et d'ailleurs, pour que la petite aiguille soit en face d'un chiffre, il faut que la grande aiguille soit exactement à 12. Hein. Il faut qu'elle pointe vers le haut. Donc ici, la petite aiguille pointe vers 7, donc il est 7 heures. Et la grande aiguille, elle pointe vers 12. Et si la grande aiguille pointe vers 12, ça veut dire qu'il vient d'être 7 heures, donc ça veut dire qu'il est 7 heures. 7 heures. 0 minutes. On continue avec un autre exemple. Ici, on regarde d'abord la petite aiguille, comme d'habitude, et on regarde ensuite la grande aiguille. Alors la petite aiguille, on dirait qu'elle pointe vers le 8, sauf qu'en fait, si on regarde avec attention, si on prolonge la petite aiguille là, eh bien, elle est entre le 7 et le 8. Hein. Donc ça veut dire que il est 7 heures passées, mais il n'est pas encore tout à fait 8 heures. Et enfin, la grande aiguille, ici, pointe le 9. Donc en fait, elle pointe 45, hein, 45 minutes, puisque chaque écart, ici, ça correspond à 5 minutes. Donc on a ici 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, 35, 40, 45. Donc il est 7 heures passées, il n'est pas encore 8 heures, donc la grande aiguille pointe vers le 9, donc 45 minutes, il est donc 7 heures 45. Un autre exemple tout de suite. On regarde la petite aiguille. La petite aiguille, elle n'est pas tout à fait au 2. On a l'impression qu'elle est au 2, mais elle est en réalité entre le 1 et le 2. Si on prolonge la petite aiguille, elle est entre 1 et 2, donc il est 1 heure passée, mais il n'est pas encore 2 heures. Et si on regarde la grande aiguille, elle pointe vers le 9. Le 9, et ici c'est 3 quarts de cadran, on a 1 quart, 2 quarts, 3 quarts. Donc elle pointe vers le 9, ça veut dire 45 minutes. Il est 45 minutes passées de 1 heure, donc il est 1h45. Un autre exemple, donc cette fois-ci, regardons la petite aiguille, elle a l'air très proche du 1. Hein. Et en réalité, elle est aussi entre le 1 et le 2, mais ça veut dire qu'il est 1 heure passée, mais pas encore 2 heures. Et si on regarde la grande aiguille, elle pointe vers le 3. Donc, comme on sait que entre chaque cran, entre chaque chiffre, il y a 5 minutes, et que si la grande aiguille pointait vers le 12, il serait exactement 1 heure, eh bien il est 1 heure passée de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Le 3 correspond à 15 minutes. Donc il est 1 heure passée de 15 minutes, donc 1 heure et 15 minutes. Enfin, un dernier exemple. Quelle heure est-il? Regardons la petite aiguille. La petite aiguille, elle pointe vers le 2 directement. D'ailleurs, la grande aiguille pointe vers le 12. Donc, ça veut dire qu'il est exactement 2 heures. Il est 2 heures et combien de minutes? Eh bien, le 12, ça veut dire qu'il est 2 heures tout juste. Donc, 2 heures et 0 minutes. 2 heures et 0 minutes.